السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو دائما في السلسلة ديال الفيديوهات الخاصة بالأسبوع الخامس، دائما في لا سومين 5 دو لونيتي 2 ايفالواسيون اي كونسوليداسيون لاكتيفيتي دو لا غرامير، في كتاب المتعلم والمتعلمة باركور اون فرونسي pour les élèves de la sixième année de l'enseignement primaire. Donc, غادي نديرو اليوم la page 52. Je m'évalue. Il y en a ici trois questions, d'accord? J'écris une phrase en utilisant. غادي نكتب جملة وغادي نستعمل فيها في الأول un indicateur de temps, واحد المحدد ديال الوقت. Ou في الجملة الثانية غادي ندير فيها واحد l'indicateur de lieu, واحد المحدد ديال المكان. Donc هنا واحد la phrase فيها واحد l'indicateur de temps. Donc هي انا اقترح واحد la phrase la semaine dernière, la semaine dernière j'ai visité, donc الأسبوع السابق زرتو la tour, la tour حسان. Zort, Samad, Hassan. Donc l'indicateur du temps n'est pas la semaine dernière. D'accord, la semaine dernière. B, un indicateur de lieu. Un indicateur de lieu. Donc on dit une jumla n'est pas l'indicateur de lieu. Donc on dit j'étais assis, comme toujours, Alison, en face du lac. مقابل مع البركة. دونك اون فاس هو الانديكاتور دو ليو، داكوغ، انديكاتور دو ليو. دونك هاد ليكزارسيس متعلق بالدرس ديال لي كونيكتور سباسيو تمبوريل، داكوغ. نمرو الان لا كيسيون دو، جونغيشي لا فراز سويفونت. دونك هاد لا فراز هادي غادي نزيد نتوسع فيه، داكوغ. لو تران اونتر اون غار، دونك لو تران داخل المحطة، داكوغ. دونك كيفاش غادي نتوسع فيها؟ دونك كنكتب لو تران. Le train. Que fait le train? En direction. Fitigeh, imada. Fitigeh. Mettelan, fitigeh, reba. De Rabat. En direction de Rabat. Entre hangar. Dral. Et là, il mahatta. D'accord? Dral, il mahatta. Fokash. A. دونك هنا باش نونغيشي واحد لا فراز، باش نغني واحد لا فراز خصني نزيد لها لو ليو لو طون و لا مانيير، داكوغ. دونك هنا ا 7 اوغ هادي طون انغار ليو اي انسي دو سويت، داكوغ. مانتونون لا كيسيون 3، لا كيسيون 3 جو ريدوي لا فراز سويفونت. دونك هاد لا فراز هادي كامله غادي نكتب فقط لو ميساج اسونسييل، داكوغ. بوندون لي ديرنييغ فاكونس ديتي جو سوي الي كومبي افيك مي كاماراد دو كلاس ا لا مونتاني. Pendant les dernières vacances d'été, donc Acher Hotla Diasef, je suis allé camper avec mes camarades. Donc, je suis allé camper avec à la montagne, yani fil jebel. D'accord. Donc, je vois le message essentiel de la phrase. Donc, le message essentiel, c'est je suis allé camper. Donc, c'est le message essentiel. Donc, zoulna hadi, ou zoulna avec mes camarades, ou zoulna avec mes camarades de place pendant, et à la montagne. Qanna, le message essentiel, c'est je suis allé camper. D'accord. Maintenant, je passe à la rubrique je consolide mes acquis, ou thabbitu ma'arifi. Je classe en deux colonnes les indicateurs de temps et les indicateurs de lieu utilisés dans la rubrique je m'évalue. Donc, radi ndir hnaya. Faites le tableau avec les indicateurs, les kinin, faites la rubrique je m'évalue. Les indicateurs de lieu, les indicateurs de temps, les indicateurs de lieu, les donc les indicateurs de lieu, les indicateurs de lieu, les faites la rubrique je m'évalue. La semaine dernière, j'ai visité la tour Hassan. C'est bien, j'étais assis en face du lac, donc en face. En face, c'est un indicateur du lieu. Donc, le train en direction
De Rabat entre Angar. Il y en a Angar. C'est un indicateur du lieu. Naa. C'est un indicateur du lieu. Alors, A, c'est un indicateur du lieu et de temps. Quel est l'ordre indicateur de lieu et indicateur de temps. D'accord. D'abord, indicateur de temps. D'accord. Indicateur de temps. Maintenant, la semaine dernière. Semaine dernière. Maintenant, pendant les dernières vacances d'été. Été. L'été, ça y est. Maintenant, pendant, c'est un indicateur de temps. Donc, chez les Kane. Donc, on met les indicateurs du temps, les Kinin, Fed, la rubrique Je m'évalue. D'accord. On passe maintenant à la question 2. Question A. Je souligne les mots utilisés pour enrichir la phrase. Mon frère aime le voyage. Donc, Radin Star, elle est le Kalimath, l'Irnaou, la phrase. Mon frère aime le voyage. D'accord? Donc, là, le message essentiel, ouais, mon frère aime le voyage. Ou là, la phrase a dit, c'est-à-dire, donc, il est déjà enrichi. D'accord? Donc, normal qu'elle mette les étoffes de la phrase. Donc, Adna, mon frère, et mon frère aime voyager, j'ai hâte le voyage. Donc, qu'elle mette les étoffes, Adna, Zado grand, Zado en train, ou Zado avec ses copains. D'accord? Avec ses copains. Donc, grand. En train et ses copains avec ses copains. D'accord. Maintenant, question B. J'indique la nature des mots qui enrichissent cette phrase. Donc, le kalimat l'irnaou de la phrase a dit Shnaïa tabi'a dialhum. Donc, grand. Shnaïa tabi'a dial grand. Grand, c'est un adjectif. D'accord. C'est un adjectif. D'accord. En train, d'accord. En train, c'est la manière, c'est-à-dire le kayfiyya, d'accord. Lorsqu'on pose la question par comment, d'accord. Comment, kayfiyya, d'accord. C'est en train, complément circonstanciel de la manière, d'accord. Complément circonstanciel de la manière, CCM. D'abord, on a avec, c'est copain. Avec ses copains, je n'ai la nature d'Yelha, c'est complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Donc, complément d'objet indirect relié avec le verbe par une proposition qui est avec. D'accord? Ou bien, d'ailleurs, on commence la page 52 du kitab madrasi Parcours en français et plus particulièrement la semaine 5 évaluation et consolidation l'activité de la grammaire. القاكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله. زيدوا تابعوا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري واشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.